Ça, vous voyez, j'en suis assez fier. C'est une idée que j'ai eue un jour, il y a 4-5 ans déjà. C'est mon mur de vomi. Voilà, je sors, je prends des photos de vomi dans la rue et je les affiche parce que bah, je trouve ça artistique. Il y a une vraie démarche créative derrière, de ma part. Et à ma connaissance, personne ne fait ça. Hein, clairement pas ces petits étudiants, ces petits branleurs des beaux-arts, quoi, tous ces futurs chômeurs. Il n'y en a aucun qui a eu l'idée de faire ça avant moi. Enfin, je crois pas. Et ce que j'aime bien, c'est les sélectionner, les choisir, leur donner des petits noms aussi, j'adore ça. Là, par exemple, clairement, vous voyez, c'est Roswell. Enfin, c'est assez flagrant de voir que c'est Roswell. Là, à gauche de Roswell, vous avez le blob. Voilà, le blob, on reconnaît assez facilement. Ici, en revanche, on part sur quelque chose qui n'a rien à voir. Celui-là, je l'ai appelé Mondrian, si vous connaissez, mais période plutôt minimaliste, hein, bien sûr, donc plutôt vers le début. Et voilà, mon préféré, clairement, Mona Lisa. Là, je compte, celui-là il est superbe. Hein. Donc, celui-là j'en suis vraiment vraiment fier. Je crois que c'était à la Cruthno vendredi dernier. Donc ça, ce sont des photos de vomi de riverains, de Strasbourgeois en fait, que... Oui, enfin des vomis de connards alcooliques. Hein. Enfin, c'est. Non, les Strasbourgeois, les gens bien, je suis désolé, ils vomissent pas sur le trottoir. Donc là, on est bien d'accord qu'on parle de connards imbibés qui salopent nos trottoirs. Mais vous remarquerez que je prends jamais, jamais la photo de la personne. Je respecte quand même totalement son intimité, je respecte sa vie privée.